ses spécificités, la suite. Le jugement de ceux qui le suivent et de ceux qui lui désobéissent. Allah a dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et il dit: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, car c'est vous qui dominerez vos ennemis si vous êtes véritablement croyants. Il dit: vous rentrerez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les gens dirent: et qui refuserait d'y entrer, ô messager d'Allah? Il dit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéirait, et celui qui me désobéit ira en enfer. Et il dit: Allah a promis l'humiliation et l'avilissement à ceux qui me désobéissent. Sa communauté. Allah dit: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Allah. Il dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, j'espère que vous constituerez la moitié des habitants du paradis. Sa ville. Il est originaire de la Mecque. Allah dit: le premier temple érigé pour les hommes est celui de Bekka. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas illadhi bi-Bekkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Comme bénédiction et guidé pour les gens. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Il s'y trouve des preuves manifestes comme la station d'Abraham. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Quiconque y entre est en sécurité. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quiconque y entre est en sécurité. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de se rendre en pèlerinage à la maison sacrée. Quant à celui qui réfute cette obligation, qu'il sache alors qu'Allah se passe largement de l'univers. La Mecque est un territoire sacré. Le prophète disait: Allah a rendu cette terre sacrée le jour où il créa les cieux et la terre. Il est sacré selon le décret d'Allah. Cette ville restera musulmane jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète a dit: après la conquête de la Mecque, il n'y a plus d'émigration. Sa Qibla, orientation en prière. Il s'orientait en direction de la Kaaba. Avant cela, il se tournait vers la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Allah dit: nous te voyons tourner ton visage avec insistance vers le ciel. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Par Allah, nous allons t'orienter vers une direction qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ. Et où que vous soyez, tournez vos visages dans cette direction. La mosquée sacrée fut la première mosquée qui fut construite à la surface de la terre. Abu Dharr rapporte: j'ai interrogé le messager d'Allah au sujet de la première mosquée sur la terre. Il me dit: c'est la mosquée sacrée. Il dit aussi: quiconque se rend à la mosquée sacrée pour y faire le pèlerinage, sans prononcer de propos vulgaires et sans commettre de perversité, rentrera chez lui comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Sa Qibla, orientation en prière. Il dit encore: une prière à la mosquée sacrée équivaut à 100 000 prières. Une prière dans ma mosquée équivaut à 1000 prières. Et la prière à la mosquée d'Al-Aqsa équivaut à 500 prières. Il dit également: il ne faut entreprendre de voyage, sous-entendu pour visiter une mosquée, que pour ces trois mosquées: la mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée d'Al-Aqsa. Il dit enfin: lorsque vous accomplissez vos besoins, ne vous tournez pas en direction de la Qibla et ne lui tournez pas le dos. Orientez-vous plutôt vers l'ouest, vers l'est ou l'est.